La journée de mardi était belle pour presque tout le monde au Québec. Là où ça se corsait un petit peu, c'est uniquement dans l'Est. Vous étiez aux prises avec les restes d'un système dépressionnaire. Alors, des averses, des nuages. Par contre, demain, les scénarios s'échangent de bord. Alors, pour les secteurs de l'Est, ça se passe très bien, du soleil, un mercure confortable. Et pour la portion ouest de la province, vous serez sous les nuages, sous les averses, en raison d'un système dépressionnaire qui va faire son entrée déjà dans la nuit de mardi à mercredi. Sur Montréal, demain, ça se passe plutôt bien. Les averses arrivent vraiment fin de journée. Pour Québec jusque vers l'Est, c'est beau. Les averses pour le centre de la province débutent vraiment en cours de nuit. Alors, profitez du soleil. Jeudi, par contre, bon, le système va faire son entrée sur Québec, Saguenay, jusque vers l'Est. Alors, pour vous, ça va se passer sous les nuages. Par contre, tranquillement, la tendance sera au dégagement pour les secteurs du Nord-Ouest jusque vers le Sud. À l'avant du front froid, les vents sont soutenus du 20-40 km/h vent du Sud. Par contre, à l'arrière du front, les vents sont plutôt faibles, quoique tendance quelque peu nordique. Alors, on va perdre quelques degrés vers la fin de la semaine, ce qui va laisser place, encore une fois, à un week-end de plutôt frais. Vendredi, ça se passe bien. Il y aura simplement un système dépressionnaire au nord du Québec qui va apporter un peu d'instabilité, mais dans tout ça, on goûtera quand même au soleil, au mercure toutefois, tel que je vous le disais, ce sera un peu plus frais. Alors, dans le détail, pour mercredi, c'est beau pour le centre jusque vers l'est, du soleil, un mercure qui sera confortable. Par contre, pour le nord-ouest et vers le sud, la tendance sera aux averses et aux nuages.